Bonjour à vous. Euh, 17h34. Est-ce que vous pensez qu'on commence ou est-ce qu'on attend encore des retardataires On commence Ok, on commence. Bienvenue au cours numéro 6 de le TC zététique et autodéfense intellectuelle. Vous commencez à être habitué, alors je ne vais pas radoter. mon mail ici si vous avez un grand besoin concernant vos dossiers. Le, la page du site Cortex en bas à gauche, page étudiante, etc. Vous cliquez, il y a un mot de passe. Le mot de passe est Dumbledore avec une majuscule à D. Voilà, les cours à venir sont ceux-ci. La semaine prochaine, on parlera des médecines alternatives et on creusera le cas de l'homopathie. Euh, le cours suivant portera sur la questions de sexe, genre. Euh, ensuite, il y a un, un. Je me suis gouré un mercredi 28 mars où il n'y a pas cours. Je me suis gouré sur la diapo, j'ai marqué mardi. Et puis après, vous avez la suite. Voilà, euh, j'ai même un invité au cours numéro 9. Je vous rappelle que le cours est filmé. Euh, vous n'êtes pas filmé dedans. Euh, mais par contre, ça implique euh, une, une petite gestion, euh, notamment celle de recevoir les questions par. Euh, par paquet, par SMS. Donc, je vous redonnerai mon numéro de téléphone à la fin. Vous pourrez m'envoyer des questions et puis même discuter plus directement à la fin du cours sans aucun problème. Je vous rappelle que la date de rendu du dossier est le 2 mai. Voilà pour euh, les informations techniques. Ce cours est dédié. J'essaie de dédier chaque fois euh, un cours à un individu. Euh, cette fois-ci, c'est dédié à un monsieur qui s'appelle George, qui s'appelait George Price, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il est décédé il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Le thème du jour, c'est celui-ci, c'est euh, les questions d'influence, de dérive sectaire, de manipulation mentale. Qu'est-ce qu'on entend par là et dans quelle mesure c'est important pour ce qu'on fait nous, c'est-à-dire travailler sur des théories qui sont controversées et quels problèmes euh, mentaux et moraux cela peut poser que des gens exercent une autorité parfois sur nous et nous amènent à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément voulu faire de nous-mêmes. En, en vertu du film, je vous encourage à rester relativement silencieux, donc le temps de, des enregistrements. Et j'espère. On me demande souvent à quelle date sera mis en ligne. Je dirais que à l'arrivée de l'été, ça devrait être prêt. Mais avant, ne comptez pas là-dessus. Par contre, vous avez tous les PDF des cours en ligne, avec quelques goodies que je vous mets de temps en temps, et vous pouvez aller les consulter quand. quand vous en sentez l'envie. Alors, un peu de théorie des jeux au début. Je vous parle d'emprise sectaire, je vous parle de soumission librement consentie, et je vous donnerai quelques éléments théoriques. Il ne s'agit pas d'un cours à proprement parler de psychologie euh, sociale. Vous savez qu'ici, il y a des labos de psychologie, euh, le LIP, le LPNC, qui font ça très très bien. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Je suis devenu semi-spécialiste, entre guillemets, parce que moi, je travaille sur le versant vraiment sectaire et qu'il y a beaucoup de techniques dites extraordinaires ou paranormales qui peuvent parfois amener à des gros, gros dérapages euh, qui peuvent coûter parfois des vies à certaines personnes. Et donc, euh, j'ai euh, quelques spécialités là-dedans. Il y a quelques mouvements que je connais plutôt bien. Euh, j'ai dû faire euh, quelques expertises et quelques travaux sur certains de ces domaines-là et j'ai même euh, fait témoin, assisté sur un, un procès qui mettait en jeu euh, une mouvance très proche de euh, ce qu'on peut appeler le chamanisme transsibérien. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez surfer sur Internet alors, pour commencer, j'aurais aimé faire un, un petit jeu avec vous, mais pour qu'il marche, ce jeu, il faut que vous jouiez avec moi. Vous êtes partant Sinon, euh, c'est la loose pour moi. OK. Le jeu en question, les règles sont pas nombreuses et elles sont assez simples. Le jeu s'appelle le jeu de Chubik. C'est un jeu qui a plus de 45 ans maintenant et que j'aime beaucoup, même si parfois, il amène à des belles prises de tête. Il euh, y a cinq règles de base dans ce jeu. Le jeu, c'est de mettre aux enchères un euro. Que voici, ça c'est un euro, un vrai. Tac, tac, c'est un vrai. D'accord euh, Il coûte donc un euro. Et moi, comme je suis très très gentil, je mets mon euro à 10 centimes. Ok Et donc c'est comme aux enchères ceux qui montent en enchère, ceux, ceux qui donnent l'enchère la plus haute, ils remportent l'euro le, en question. Mais la feinte, enfin il y, y a deux feintes dedans. La première, c'est que vous ne pouvez pas monter de plus de 10 centimes à chaque fois. Donc quelqu'un annonce, je sais pas, 20 par exemple, vous ne pouvez pas dire 48 d'emblée, vous ne devez monter que de 10 maximum. La deuxième chose, c'est que la plus haute enchère remporte l'euro, mais ça c'est comme dans toutes les enchères, mais l'avant-dernière enchère annoncée doit aussi me payer. D'accord Donc celui qui a donné l'enchère la plus haute me paye, mais l'avant-dernier aussi me paye. C'est clair Ça va Et voilà, à la fin, il faut me payer. Et ça me paiera mon café. D'accord Alors c'est parti. 10 centimes, mesdames et messieurs. Qui dit mieux Vas-y. 20 centimes. Très bien. 20 centimes pour madame. 30. Oh, très bien. 35, merveilleux, 35. 35, 30, vous avez compris, si on s'arrête là, elle paye 35, lui 30, lui elle a un euro, lui il a rien. Ok Vas-y. 38. 38, 35. 40. Et toi Tu lèves la main 42. Nous sommes à 42, 40. 49, quelqu'un a dit 49 Levez la main en même temps parce que sinon j'entendrai pas. Qui a dit 49 Personne On a 49. 49 pour monsieur. Oh 51. 59 carrément et on est, on est des fous. 59, très bien. 59, 49. 59, 49. 60. 65. Levez la main en même temps et je vous vois. 110 très bien. 70. 70, 75. 80. 82. Vous, vous levez, vous annoncez votre montant très fort, comme ça je vous, je, je vous repère direct. 85, très bien. 90, ok. 1 euro, très bien. Et toi bah, tu peux dire plus. 1 euro pour monsieur et 90 pour qui déjà Qui était la personne qui a dit 80 Très bien. 1 euro 10. 1 euro 10 pour monsieur, 1 euro pour lui. 1 euro 10, 1 euro. 1 euro 10, 1 un euro une fois. Y aura-t-il un courageux, une courageuse qui monte par-dessus 1 euro 10, 1 euro deux fois. Donc, si tu as bien compris, lui, il paye 1 euro 10 et il gagne mon euro. Et toi, tu payes un euro, tu rien. 1 euro 10, 1 euro, 2 fois et demi, personne ne monte par-dessus, personne ne veut mon euro, on s'arrête là, c'est clos Eh bien bravo monsieur, vous remportez donc pour 1 euro 10, une pièce de 1 euro, et monsieur vous me versez tout à l'heure 1 euro. Au titre de l'avant-dernière enchère, merci d'avoir joué avec moi, vous n'avez pas été très teigneux quand même, bon déjà d'une, je ne prendrai pas vos sous, « Ah non, je ne vais pas prendre vos sous, je n'ai pas, pas le droit. » Et puis moralement, ça serait assez inacceptable. Je sais que vous êtes tous pauvres et aves et faméliques. Mais euh, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que même là où il pas tellement monté, il faut savoir que quand on fait ça comme expérience en laboratoire, ça monte en moyenne à 3,40. En moyenne. Euh, que de, dans cet amphi, généralement, je dépasse les 2 euros allègrement. Là, vous êtes plutôt radins, on va, on va dire ça comme ça, vous êtes plutôt des radins, des, vous avez des oursins dans les poches, et euh, le summum, je crois que c'est monté à 7,50 euros, je crois. 7,50 euros. Ce qui est marrant quand même, c'est que ce jeu emmène, en fait, nous emmène sur une pente qui est assez étrange, parce qu'elle nous amène à payer un produit qu'on n'aurait pas forcément payer ce prix-là, et on se retrouve piégé dans une sorte de, de boucle. Alors, il y a des phases un peu critiques. La phase critique, c'est le début. Si personne ne démarre, évidemment, c'est tout, c'est niqué comme jeu. Euh, si quelqu'un dit, par exemple, euh, 11 centimes et que tout le monde se met d'accord pour ne pas monter au-dessus, eh ben, c'est là que vous faites le, globalement le plus d'affaires puisque vous remportez à 11 centimes un euro. D'accord. Euh, ensuite, on dépasse les 50 centimes. Quand les deux, parties, les deux dernières parties annonçantes dépassent les 50 centimes, c'est là où je commence à moi à faire des affaires et des fois ça en freine quelques-uns. Je dis, oh, le salaud, il, il va se faire du pognon maintenant. C'est vrai que si on passe de 51 et 50, par exemple, eh ben, la somme globale dépasse l'euro que j'ai mis aux enchères. Et le summum de ce qu'on pourrait considérer comme une situation assez absurde, c'est de dépasser l'euro. Puisqu'au final, on va payer plus cher un produit qu'on n'aurait pas voulu et on le paye plus cher parce qu'on ne veut pas perdre la face. Et en fait, l'autre personne qui est avec vous, euh, qui est en duel avec vous, en fait, va raisonner de la même façon. Et c'est comme ça que ça monte très très rapidement. Et on arrive dans ce, qu appelle des, ce que les psychologues appellent des pièges abscons. On se retrouve coincé dans des, dans des situations de ce genre. Et alors, je vous, je vous encourage à tester ce jeu. Plus vous faites ça dans un contexte amical, plus ça marche. Plus vous faites ça dans un contexte euh, alcoolisé, plus ça marche. Mais par contre, il faut savoir que plus le contexte est alcoolisé, plus les embrouilles sont fortes après entre les gens. Et Il est déjà arrivé que des gens s'embrouillent très sévèrement, mais au point de se fâcher même. Euh, J'ai même vu un couple se fâcher <laughs> un jour et se partir fâché, chacun de leur côté, parce qu'ils s'étaient battus euh, comme des débiles pour mon euro. Voilà, ça s'appelle le jeu de Schubik du nom de Martin Schubik. La publication d'origine est ici. Je vous l'ai mise aussi en lien sur le site, vous la retrouverez. Elle est en anglais, mais elle n'est pas très très longue à lire. Et voilà. Et je dois ce jeu, à un remarquable livre. Je vous, je vous ferai une présentation de quelques bouquins tout à l'heure. Ce livre-là, c'est un must pour moi. Je trouve qu'il est vraiment clair, explicite, très très bon. Et il introduit, ce dont je vais vous parler un tout petit peu là, ce qu'on appelle la théorie des jeux dans un contexte de psychologie. Le livre s'appelle Les aléas de la raison de Laszlo Mereus. C'est un hongrois, un monsieur hongrois. Voilà pour mon jeu de schubik. Alors la théorie des jeux, je voudrais vous en parler, mais c'est un peu comme une petite parenthèse, mais c'est pour vous montrer qu'on peut formaliser certaines situations dont on va avoir besoin. Euh, et alors je vous renvoie à un cours qui se déroule en ce moment, euh, qui est fait par euh, mon, mon, mon collègue et camarade euh, Christian Graff en L1, L2 de psycho, je crois. Certains, certains d'entre vous, euh, certains d'entre vous l'ont déjà eu en cours, je pense. Et il fait un long laïus sur la théorie des jeux, qui est une théorie qui est assez ancienne, qui date des années 20. Et il euh, y a des noms comme ça qui vous reviendront peut-être en tête Zermelo, Borel, von Neumann. Puis il y a des gens après qui ont théorisé ça sur l'économie, et après de manière de plus en plus vaste sur les comportements animaux, et puis les comportements Humain, ce qui a amené à ce qu'on appelle la psychologie évolutionnaire, on trouve ça, ou évolutionniste, on trouve les deux, les deux termes. Alors, un exemple classique. Que vous avez déjà vu très certainement. C'est un exemple qu'on doit à un type qui s'appelait Tucker. C'est l'exemple du dilemme du prisonnier. Alors j'écris pas mal de choses sur mes diapos pour que vous puissiez les relire à froid. Hein. Je ne vais pas tout lire ce qu'il y a dessus à chaque fois, mais c'est toujours le même dilemme quand on présente des diapositives. C'est est-ce qu'on lit tout ce qu'il y a dessus ou est-ce qu'on en met peu Mais si on en met peu, quand les gens s'y réfèrent après, il n'y a pas grand-chose à lire, donc ils sont un peu emmerdés pour se rappeler ce qu'on a raconté. Le cas là, c'est imaginer deux prisonniers qui sont complices, qui sont arrêtés, qui sont placés dans des cellules séparées et, et ils ne peuvent pas communiquer. Il n'y a aucun moyen de communiquer. Et alors le deal que, le, que, que vient leur, leur proposer l'inspecteur le, ou le commissaire qui est là c'est de, de dénoncer éventuellement l'autre ou d'avouer sa faute quoi. et donc si l'un des deux dénonce l'autre et que l'autre le dénonce pas eh ben, le, le premier est libéré, d'accord, et l'autre, il prend cher. J'ai mis, il prend cher. C'est-à-dire, il prend par, par exemple 5 ans. Après, les, le nombre d'années euh, peut être pondéré en fonction des expériences qu'on veut faire. Hein. Mais si les deux avouent, ils sont condamnés tous les deux, certes, mais à une peine plus légère, par exemple 3 ans. Et si les deux refusent de dénoncer, ce qui est la meilleure solution en soi, la peine sera minimale pour les deux. C'est-à-dire, euh, par exemple, ici, un an, faute d'éléments au dossier. Ça donne un tableau qui est comme ça, vous voyez. Et donc, en, en fonction des cases, euh, selon si on avoue ou on nie, ben, il y a un montant qui est... Euh, qui est majoré. La solution, euh, la meilleure dans cette situation, la au niveau global, c'est euh, celle de se taire. Mais le problème, c'est comment peut-on être certain que l'autre va se taire? Par contre, d'un point de vue individuel, la meilleure solution, c'est d'avouer. Si on fait la somme vraiment des, des, du, du poids des peines qu'on encourt, il vaudrait mieux avouer, mais globalement, il vaudrait mieux qu'on ne dis, qu on, qu on avoue pas. Quoi. Ce qui fait que ça crée une sorte de dilemme qui est difficile à trancher et qui a été formalisé sous le nom de dilemme du prisonnier et qui est très très fréquemment utilisé dans la littérature. Donc lorsque chacun poursuit son intérêt individuel, le résultat obtenu n'est pas optimal. Optimal au sens de, pour ceux qui font de l'économie, au sens de, de Pareto, l'italien Pareto. Mais bon, peu importe, ce n'est pas, pas très grave de ne pas rentrer dans les détails très techniques. Alors, il y a des exemples comme ça dans la vie courante. J'essaie de prendre des trucs qui incarnent un peu la vie courante. J'ai mis ici l'exemple d'une politique tarifaire. Euh, imaginez par exemple deux stations essence qui sont placées l'une en face de l'autre et la loi leur impose de fixer le montant de leur essence, l'essence qu'ils vont vendre, le prix du litre, euh, le, le 31 décembre à minuit pile. En fait, le dilemme qui va se poser pour les, pour les gens qui, sont, qui possèdent ces stations, ça va être de se dire, de combien je, à combien je vais mettre le prix de mon essence, au maximum pour pouvoir faire du bénéfice quand les gens viennent chez moi mais inférieur quand même à celui du voisin, comme ça ils viennent chez moi, vraiment. Donc je voudrais le mettre haut, mais quand même pas trop haut, parce que si je le mets trop haut, je prends le risque que l'autre en face soit plus bas que moi et que tout le monde aille chez lui. En fait, si vous formalisez ça dans, une, dans des cases, vous vous retrouvez avec un, un, un système exactement comme celui du dilemme du prisonnier. Un autre exemple, c'est le système d'armement, qu'on peut formaliser aussi de cette façon. Là, j'ai tout écrit. Considérons deux pays rivaux. Chacun peut choisir de maintenir ou, ou non une armée. J'en profite pour vous dire qu'il y a des pays qui n'ont pas d'armée. Ça, ça surprend, mais je pense au Costa Rica, par exemple, qui n'a pas d'armée, qui a arrêté d'entretenir une armée. Alors, chacun peut choisir de maintenir ou non une armée. Si tous les deux ont une armée de force à peu près équivalente, bah, vous vous doutez bien ce qui arrive. La guerre est moins tentante, parce qu'on se dit oula si je leur fais péter une bombe dans la gueule, je vais prendre la même, donc ça risque d'être un peu violent. Et en fait, la guerre froide, c'est exactement l'incarnation de ça, c'est-à-dire une, une situation relativement gelée, gelée. Les dépenses militaires sont alors une perte nette pour les deux pays. Les deux ont investi des, des montants qui servent finalement pas à grand chose, si ce n'est à dissuader l'autre de nous foutre sur la gueule. Si vous me passez l'expression. Si un seul a une armée, il peut évidemment conquérir l'autre sans, sans coup férir, vous voyez. Et ce qui est pire pour 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 celui qui évidemment ne s'est pas doté d'armée. Mais si aucun n'a d'armée, la paix règne et les, et les pays n'ont pas de dépenses militaires et en fait tout le monde serait gagnant. Malheureusement, enfin malheureusement, c'est là où il faut que je fasse attention à ne pas rentrer dans le domaine moral comme ça maintenant, mais on pourrait se dire que, entre guillemets, malheureusement pour tout le monde, la meilleure solution qui serait que personne n'ait d'armée n'est rarement rarement choisie par les, les, les États contemporains. Et en France, ce n'est pas près d'être le cas, vu qu'on est... Entre autres, un grand, un grand, grand producteur de d'armes. Je pense que vous savez ça. Hein, on est le troisième, c'est contesté un peu, quatrième parfois, mais trois ou quatrième producteur d'armes au monde en France. Donc la situation de coopération permettant à chacun de ne pas avoir d'armée est évidemment préférable à la situation où les deux pays entre, en entretiennent une, mais elle est instable. Chacun des deux pays a une force à incitation à se doter unilatéralement d'une armée pour dominer l'autre. Voilà, ça fait un, exactement un dilemme du prisonnier. Après il y a des petites variantes. Alors on peut introduire des petites variantes. Je pense par exemple à des exemples qui pourraient avoir des euh, faire, prendre corps avec euh, des questions de biens publics. Tout le monde veut Veut bénéficier de biens publics, mais personne n'a vraiment envie de les entretenir, alors on préfère les faire financer par les autres. Ouais, un, un peu le genre de, de réflexion qu'il peut y avoir quand euh, euh, des gens revendiquent qu'on construise plus de prisons, oui, mais pas, mais pas près de chez eux, vous voyez, loin, si, si possible, loin quoi. Ou des maisons de redressement, comme on disait avant, mais loin quand même, pour que les enfants dits délinquants ne traînent pas à côté de chez nous quand même, etc. Voilà. Wikipédia, c'est un bon exemple aussi parce que tout le monde bénéficie de Wikipédia, mais très peu d'entre nous. Euh, contribue sous forme de dons à Wikipédia. Donc en fait là on a des stratégies qui se mettent à l'œuvre, qui sont des stratégies qui portent des noms. Quand on fait de la, de la psychosociale et qu'on utilise de la théorie des jeux, c'est ce qu'on appelle le problème du passager clandestin. C'est celui qui est clandestin, qui bouffe quand même dans le râtelier, mais qui ne contribue pas à la cote par collective. Quoi. Les Anglais parlent de free rider problème. C'est Olson qui a, qui, a, qui a formalisé ça et il prenait l'exemple du syndicalisme. Qui a un exemple qui vous parlera peut-être Le syndicalisme est un droit qui date de la loi Valdec Rousseau, je crois, et qui, est, qui a été acquis de haute lutte et dont beaucoup d'étudiants se servaient, beaucoup d'enseignants se servaient à l'université jusque dans les années 80. Et depuis les années 80, plus personne, très peu de gens adhèrent à des syndicats. N'empêche qu'on bénéficie tous des avantages acquis par les syndicats, mais très peu. Nous sommes prêts à suer et à transpirer. Pour des syndicats, c'est ce que j'ai marqué ici. Si vous êtes tous bénéficiaires des avantages obtenus, certains d'entre vous peuvent estimer qu'il n'y a pas d'intérêt apparent à s'affilier à cotiser. puisque de toute façon, pas besoin de cotiser vu que les autres font le boulot. En fait, j'ai pas besoin de me fatiguer quoi. Il suffit de sans s'engager ni payer, d'attendre les bénéfices résultant des actions que pourra mener le syndicat. J'espère que ça vous fera mûrir votre réflexion sur cette question, la, la question syndicale, qui est une question importante puisque les syndicats sont censés représenter une classe de travailleurs et vous êtes une classe de travailleurs. Donc euh, en tant que travailleur, vous avez le droit d'être représenté, c'est un droit. Après, libre à vous de choisir le syndicat qui vous plaît, mais de ne pas prendre de syndicat, c'est assez, en, en soi, c'est relativement étonnant. Et je connais beaucoup, beaucoup d'enseignants qui qui font la même, qui, qui, qui tombent tombe un peu là-dedans, dans le problème de ce qu'on appelle le passager clandestin. Alors il y a d'autres exemples que j'aime bien. Ça fait une trentaine d'années maintenant que, que, des éthologues, que des éthologues travaillent sur ça et se servent de la formalisation par la théorie des jeux de comportements animaux. Christian Graff passe du temps là-dessus, donc ceux qui sont en L1 ou en L2 de psycho euh, en savent déjà long. Je vous ai mis ici... L'exemple de la maison charbonnière, parce que c'est un oiseau que j'aime bien, euh, qui, qui traîne souvent par chez moi. Euh, J'en vois plein. Je leur fais des nichoirs et tout. Enfin, j'aime bien les. J'aime bien les. J'aime bien les maisons charbonnières. On peut reconnaître un mâle d'une femelle assez facilement, mais je, je garde le mystère. Vous, vous me demanderez si vous voulez savoir. Et alors, les maisons charbonnières, elles ont un, une forme de dilemme qui se pose à elles assez rapidement. C'est que ce, comme ce sont des individus euh, assez, enfin, ils sont euh, comment dire. Il y a un moment de l'année. Euh, je crois que c'est vers euh, mars-avril, et puis il y a une deuxième couvée qui se fait vers juin. Enfin, ils ont deux couvées avec entre 2 et 15, 15 euh, oisillons, quoi. Et ce sont des portées qui nécessitent de les nourrir. Et les mésanges, elles, elles passent, euh, comme ça, pendant près de deux mois, elles passent euh, l'essentiel de leur temps à aller chercher des proies. Je ne sais plus exactement le, 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 le taux de recherche de proies, mais ça doit être euh, au moins une ou deux proies par minute, quoi. En gros, elles ne s'arrêtent jamais, quoi. Elles ne s'arrêtent jamais, elles foncent dans tous les sens pour ramener des chenilles, pour ramener des trucs pour nourrir leur bébé. Le problème, c'est qu'elles sont territoriales, mais qu'il arrive parfois qu'un intrus se pointe. Voyez, donc quand l'intrus se pointe, qu'est-ce qui se passe et bien, La mésange étant d'un caractère relativement belliqueux, elle s'engueule. Donc là, elle commence par râler, et puis elle passe du temps en fait, à essayer de chasser l'important qui est arrivé sur son territoire. Quoi. Et la question qui va se poser dans son tout petit cerveau... À mon avis, elle ne le pense pas, c'est difficile d'imaginer qu'elle puisse raisonner ça comme nous on le fait avec un dilemme du prisonnier, mais c'est exactement cette forme-là, c'est-à-dire, combien de temps vais-je perdre à foutre dehors l'autre con qui est venu sur mon terrain, sachant que c'est du temps perdu pour la recherche de mes proies Donc, va arriver à un moment où se battre avec l'autre va devenir vraiment trop coûteux pour... Euh... Donc, il arrive qu'elles abandonnent le terrain parce qu'elles se disent, voilà, bon c'est trop coûteux, je perds trop de temps à me bastonner avec l'autre. Voilà un, un exemple de Diem du prisonnier. Et donc, après, ça permet de formaliser des comportements qu'on appelle parfois un peu trompeusement des, 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 des comportements altruistes ou, ou coopératifs, des choses qu'on qu voit dans, dans, dans la vie naturelle. On voit des comportements qui, sont, qui ont l'air d'être altruistes. Est-ce qu'ils le sont vraiment au sens moral -ce que, Je sais pas, moi, là, je vous ai mis quoi l'exemple de, de ce brave Héron Garde-Bœuf que vous voyez ici qui suit le rhinocéros et qui, le, et qui, et qui mange les petites, les petites bestioles qui traînent sur sa, sur sa carcasse. Il y a une sorte de convention qui se fait tacite entre les deux. Ok, tu bouffes mes larves et puis euh, moi je suis à côté de toi et je te protège, il ne t'arrivera rien, quoi. en gros c'est à peu près ça. Mais personne ne le formalise sur un contrat, hein, bien évidemment. Mais tout le monde y a son intérêt. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment de l'altruisme ou est-ce que c'est une construction d'une un, sorte d'égoïsme intéressé qui fait qu'on fait des conventions avec d'autres pour... Euh, est-ce que la question qui va se poser très rapidement, si vous creusez ces sujets-là, est-ce que l'altruisme, même chez les humains, est-il vraiment une vertu euh, particulière qui, qui, qui anime certaines personnes parmi vous, ou est-ce que ce n'est qu'un égoïsme plutôt élargi, avec, euh, par exemple, l'idée que si je fais du bien à mon prochain, à mon prochain, probablement un jour il me le rendra, quoi. Vous voyez un truc pas très, pas très <laughs> gratuit, quoi, en fait. Mais j'ai bien peur que, malheureusement, nous soyons des animaux. Euh, relativement égoïste euh, au départ et que construire un, un altruisme prend du temps et peut-être même que c'est une vue de l'esprit. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà des comportements coopératifs. Il y en a des encore plus incroyables. Je vous en montrerai au cours consacré à la théorie de l'évolution. Il y a des trucs absolument stupéfiants. Alors, quelques, quelques, euh, oui. Bon, si vous voulez vraiment élargir à la question humaine, il euh, y, y a des, cas. Vous pouvez vous retrouver avec des dièmes du prisonnier euh, très simples, sans aller en prison. Il vous suffit d'imaginer un couple euh, classique, marié, par exemple, euh, et euh, dans une dans, dans une relation conjugale avec un contrat non, euh, non exclusif, c'est-à-dire que normalement bon, vous n'êtes pas censé aller traîner euh, vos parties génitales par-ci par-là, quoi. Vous restez à la maison. Enfin, vous faites. Euh, voilà, c'est le deal, quoi. Et, euh, et, et chaque, chacun des deux a eu une histoire extra-conjugale, si vous voulez. Et en fait, il y a des situations, j'en connais, où chacun des deux a fauté de son côté, fauté entre guillemets, hein, mais c'est dans leur contrat. Ils ont fauté par rapport à leur contrat, pas par rapport à la morale. La morale, elle s'en fout. Euh, chacun peut bien faire ce qu'il veut. Ça dépend du contrat que vous tissez avec votre partenaire. Quoi. Et alors, euh, les deux ayant fauté, ils aimeraient bien avouer leur, leur truc ou en parler, ou, parce que ça, ça, ça les déborde. Quoi. Le problème, c'est que... Ils disent « Si je le raconte, mais que l'autre n'a rien à me raconter, ben moi, je prends cher. » quoi. Puis, si l'autre me raconte et que moi, j'ai rien à lui raconter, c'est l'autre qui prend cher. Et en fait, généralement, la situation, ben, c'est que plus personne n'en parle. Quoi. On... Ou alors, il y en a qui craquent. Voilà. Et en fait, vous pouvez faire un tableau exactement similaire à celui du dilemme du prisonnier. Alors, quand on répète ce genre de dilemme, Notamment par des moyens informatiques, c'est facile de le faire, ou par des moyens robotiques, vous pouvez créer des robots qui peuvent rentrer en interaction les uns avec les autres, et, ou des programmes informatiques qui rentrent, qui se combattent ou qui coopèrent. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un dilemme itératif, c'est-à-dire le répéter plusieurs fois. Et en fait, quand on le répète souvent, les... Avec l'idée que les participants gardent en mémoire ce qui s'est passé au coup précédent, eh ben on peut se rendre compte que des formes altruistes peuvent naître. Et il y a des manières de le formaliser avec, par exemple, deux, deux personnes qui échangent des sacs conten, con, censés contenir de l'argent euh, et un bien. Chacun a intérêt immédiat à passer un sac vide, c'est-à-dire arnaquer l'autre, d'accord Mais il est plus avantageux pour les deux que la transaction ait vraiment lieu. Alors vous dites. Que, en gros, c'est un peu ce que Christian Graff euh, euh, reprend dans ses cours quand il parle de cette métaphore de « oak dove ». Vous avez peut-être entendu parler de ça, des gens qui ont un, des comportements plutôt faucons euh, et, et d'autres plutôt colombes, c'est-à-dire plutôt euh, « il bon, bah, euh, euh, y, y a quelque chose à manger, bon, bah, vas-y, sers toi euh, la colombe se met en retrait », alors que le faucon, il tape sur la tronche de celui qui passe pour pouvoir s'approprier la, la denrée, quoi. Et donc, il y a des gens qui ont une tendance à l'arnaque. Le problème, c'est que l'arnaque, après, dans le monde humain, ça se traduit par un manque de confiance. C'est-à-dire que ça nuit à votre réputation. Ce qui fait qu'après, à long terme, plus personne ne Vous, vous niquer quelqu'un une fois, vous ne le niquez pas trois fois. quoi. Au bout de trois fois, il dit, bon, j'arrête de bosser avec lui quoi, ou j'arrête d'échanger de bo... des biens avec lui puisqu'il m'arnaque à chaque fois. Et donc, il y a une réputation qui s'installe et qui peut être très coûteuse à long terme. Alors voilà, quand on répète durablement, euh, on se rend compte que l'altruisme est récompensé et ça permet de penser que, en fait, s'il y a des comportements dits altruistes dans, la, dans, la, dans, dans le comportement humain et parfois aussi dans certains comportements animaux, on peut, peut s'imaginer que ça a été sélectionné euh, d'un point de vue évolutif parce que c'était avantageux pour ceux qui développaient ce type de comportement par rapport à ceux qui étaient des vrais enfoirés. Si vous voulez lire là-dessus, il y a un très très bon bouquin de Robert Axelrod qui s'appelle euh, L'évolution et la coopération, qui date de 1984, qui, était en, qui, était, qui est disponible à la BU de sciences et je crois aussi à la BU de lettres. Voilà pour ces petits compléments. Alors, oui, ben bah si, euh, je, pour quelques petits détails, je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus, mais quelques petits détails quand même. Euh, il y a une stratégie qui s'est avérée. Euh, euh, évolutivement stable, c'est comme ça qu que parfois on utilise ce terme, c'est de dire que dans un cas de dilemme, ré réitéré plusieurs fois, il y a une stratégie qui s'avère être meilleure que les autres, ça a été testé notamment par un type qui s'appelait Anatole Rapoport, qui s'appelle toujours, je crois qu'il est encore en vie, hein, et euh, au moyen de programmes informatiques, et on se rend compte qu'en fait le, le, meilleur, le meilleur système, quand il y a eu la compétition entre tous les programmes qui étaient présentés, c'est un, un système qui s'appelait tit fortat, qu'on peut traduire en gros par euh, coup pour coup, c'est-à-dire en gros vous commencez par collaborer, avec la personne, mais si après elle vous, elle vous nique, bah vous, la fois d'après vous le niquez. Si elle coopère aussi, vous coopérez. En fait, vous refaites ce qui vous a fait le coup d'avant. Donc, ça, ça s'avère payant à long terme de commencer par coopérer, puis ensuite euh, se venger, quoi, rendre, rendre coup pour coup. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait une stratégie qui était encore meilleure que celle-ci euh, c'est donnant-donnant avec pardon, c'est-à-dire euh, coup pour coup, mais de temps en temps, réintroduire une coopération gratuite. Je me suis parfois imaginé mes relations avec mes voisins en me disant bah, J'ai qu'à faire ça. En fait, s'il y en a un qui m'emmerde vraiment beaucoup, qui m'a fait une crasse, bah, je suis fâché, donc je ne collabore plus avec lui. Mais de temps en temps, je peux réintroduire une coopération gratuite pour voir si on peut casser le piège abscons dans lequel on est en train de tomber. Vous voyez je, sais, je vous dirai à long terme si ça marche pour moi. Il y a des, des, des historiens qui sont servis d'ailleurs du concept de tit for tat euh, sous, sous le nom de stratégie vivre et laisser vivre que vous pouvez retrouver euh, dans l'analyse de ce qui s'est passé dans les tranchées de 1914. Je crois qu'il y a un film avec Danny, euh, Danny Boone, il me semble que c'est Danny Boone qui est dedans, sur Noël 1916 où vous savez que les Allemands euh, de la ligne de front et les poilus français ont collaboré et plus d'une fois, d'ailleurs, et certains ont même été punis pour ça, il y a eu une fameuse fête de Noël, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais des gens qui collaboraient. Et en fait, l'idée, c'était, on, on se rend compte que les comportements dans les tranchées, chez les Allemands comme chez les Français, c'était de vivre et laisser vivre. C'est-à-dire, euh, en gros, tant qu'ils nous emmerdent pas, on les emmerde pas. Tant qu'ils nous canonnent pas, on ne les canonne pas. Bon, par contre, s'ils nous canonnent, là, on leur met une grosse pilule et, et les deux réagissaient de la même façon, ce qui a créé un système. Complètement engorgé, stupide, avec un nombre de morts absolument faramineux. Bref, il y a d'autres matrices de jeux possibles que celle de, du dilemme du prisonnier. Il y en a une que vous connaissez probablement, c'est le Shifumi. Vous savez, Shifumi. Alors, soit vous faites euh, ça, soit vous faites le caillou, soit vous faites euh, la, la, la main. Enfin, vous, je pense que vous connaissez, hein, c'est un vieux jeu chinois que beaucoup de japonais maintenant utilisent, mais c'est chinois à l'origine. Et La première mention que j'ai trouvée, moi, c'est le Wuzazu. De, de Xie Xiaoxi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, euh, à la fin de la dynastie Ming, ça être vers 1630 ou 35, un truc comme ça. Et il euh, y a une version améliorée assez récente par un des grands fondateurs d'Internet, qui s'appelle Sam Cass et Karen Sherrill, sa collègue. Et euh, vous l'avez peut-être vu passer dans la saison 2, épisode 8 de, de Big Bang Theory. C'est la version euh, Pierre Feuille-Ciseaux, euh, Spock le lézard. Alors je vous, je vous montre un extrait, je l'ai coupé, je l'ai pris en français parce que je suis sympa, hein. mais je trouve ça horrible en français. Hop, un petit coup de... De ce chiffoumi amélioré. Vous pourriez trancher ça avec pierre, feuille, ciseaux, lézard, spock. Oh C'est quoi ce truc-là Le jeu pierre, feuille, ciseaux, lézard, spock a été inventé par le pionnier d'Internet Sam C'est une variante du jeu classique pierre, feuille, ciseaux. Salutons tous Sam Cass. Salut. Allez. Comment ça marche Oh, c'est très simple, regarde. Les ciseaux coupent la feuille. La feuille recouvre la pierre. La pierre écrase le lézard. Le lézard empoisonne Spock. Spock écrabouille les ciseaux. Les ciseaux décapitent le lézard. Le lézard mange la feuille. La feuille désavoue Spock. Spock vaporise la pierre. Et comme toujours, la pierre casse les ciseaux. Excuse-moi, tu peux répéter? Oui, bien sûr. Les ciseaux coupent la feuille. La feuille recouvre la pierre. La pierre écrase le lézard. Le lézard empoisonne Spock. Spock écrabouille les ciseaux. Les ciseaux décapitent le lézard. Le lézard mange la feuille. La feuille désavoue Spock. Spock vaporise la pierre. Et comme toujours, la pierre casse les ciseaux. Suis presque. Tu peux répéter Les ciseaux coupent la feuille. la feuille recours Sheldon, la bière. La bière. stop Tu vois pas qui se fout de toi oh. <laughs> C'est vrai Maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Je ne vois pas d'autre alternative que de te provoquer en duel. Voilà, c'était Sheldon Cooper, pour ceux qui connaissent pas hein. cette série de... Cette, cette série télé de de geek, on peut dire un peu, elle fait pas mal les geeks. Euh, D'autres matrices de jeux qu'on peut emprunter même à des films. Moi, j'aime bien prendre ça dans du matériel un peu un peu un peu trivial. Il y a un jeu qu'on appelle le jeu de la poule mouillée, qui est peut-être probablement le jeu le plus crétin au monde euh, que vous pouvez voir dans le film La fureur de vivre avec le très beau James Dean là que j'ai mis en photo. Euh, film des années 50. Je pense pas que vous l'ayez vu, mais peut-être vous avez entendu ce' soir Et le, le jeu de la, la, de la poule mouillée, c'est pas très compliqué, mais c'est vraiment très crétin. Hein. C'est prendre sa bagnole euh, au bout d'une piste, mettre un autre gars en face au bout de la piste, Piste aussi dans sa bagnole, foncer l'un vers l'autre, et c'est celui qui, le, le dernier qui mettra le coup de volant pour éviter la, le choc, qui sera considéré comme le plus courageux. Alors vous voyez, le gain, il est facile, c'est la réputation. Vous êtes un dur, quoi. vous passez pour quelqu'un de, de, de courageux, quoi. Par contre, la matrice là est un petit peu différente, parce que là, si personne ne coopère, c'est tout le monde perd tout, quoi. Tout le monde est mort, quoi. Donc c'est vraiment un cas vraiment. Je pense qu'on peut qualifier ça de de crétin. Voilà, je pense. Alors, ce qui est, la différence ici, vous voyez, c'est avantageux de, de, de trahir quand, lorsque l'autre coopère. Quand je dis coopérer, c'est euh, se détourner, quoi. Et quand je dis euh, faire défection, c'est éviter de, de, de la collision. Mais la différence, c'est que... Euh, ouais, c'est ça, la différence. C'est si il est avantageux, cette fois-ci, de coopérer si l'autre trahit, contrairement au dilemme du prisonnier où ce n'est pas le cas. Bref, celui-là, c'est celui un dilemme qui ne se retrouve pas très souvent euh, comme ça. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce monsieur, parce que... Dans les comportements animaux, il y a des gens qui ont essayé de, de regarder les, les, les stratégies évolutivement stables de, de, de divers animaux, et ça c'est très très vite compliqué là dans les dernières années. Et il y a un monsieur notamment. Sur la base des travaux de Hamilton, pour ceux qui font de la biologie, ils connaissent certainement Hamilton, qui s'appelait George Air Price et qui a essayé de formaliser euh, une sorte de loi, euh, une loi qui. Euh, alors, elle est assez compliquée cette loi, je ne rentre pas dans le détail, je vous ai mis juste, <laughs> par exemple, l'énoncé ici qui est, qui est vraiment assez compliqué, euh, qui, qui permet. En fait. Ce n'est pas très important pour vous, l'équation de Price, elle est vraiment hyper technique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, elle, est, elle essaye de formaliser, si j'utilise des grands mots, elle essaie de formaliser l'altruisme et la coopération chez les, chez, chez, dans les populations, et permet de prédire la sélection de mécanismes de reconnaissance des membres d'un groupe. Et en fait, avec, euh, avec cette équation, il s'est dit, mince, alors ça veut dire qu'on peut caractériser l'altruisme. Et euh, Alors, est-ce que mon équation est vraie ou pas Et en fait, ça, ça l'a rendu dingue. Parce qu'il essayait de faire des ponts avec euh, sa propre vie, il essayait de faire des ponts avec son propre altruisme. Et alors, pour vous donner, euh, je vous passe quelques détails, mais pour vous donner la fin de l'histoire, à la fin de sa vie, il a, euh, une, une, il a adhéré à une église, je crois, de la Nouvelle Évangile, je ne sais plus exactement laquelle. Euh, il il s'est débarrassé de tous ses biens, il invitait invité sans arrêt euh, plein de punks à chiens et de, de gens de la rue dans, euh, chez lui. De, il distribuait ses biens comme ça, dans tous les sens. Il était obsédé par l'idée que, que son équation, selon comment elle se résolvait, euh, pouvait amener à des conclusions dramatique pour, pour, pour l'humanité et, euh, et un jour il s'est suicidé. Le type s'est suicidé sur la base d'une équation qui est encore utilisée, l'équation de, de Price et de Hamilton, actuellement dans les cours de biologie et dans les, les systèmes de théorie des jeux. C'est voilà, rare que des gens meurent des impacts euh, moraux que peuvent avoir une de leurs découvertes quoi, et meurent de leur propre main. Quoi. Voilà, donc respect pour George Price qui a été jusqu'au bout de ses opinions, même si c'est une fin... Plutôt red, voilà. Mais on n'en parle pas souvent de ce monsieur. Alors, j'avais envie d'en parler.